Descendez pas. Et bonjour à tous, aujourd'hui on part sur Squad et plus particulièrement sur la map Narva. Clairement on est en difficulté presque tout le long, ça bloque sur Geneva et on se fait back sur Train Depot ensuite. Et ce qui se passe c'est que dans cette vidéo j'ai envie d'essayer un nouveau truc, c'est à la fin faire une petite analyse assez brève, mais pour essayer de voir, pour remettre en question un petit peu de manière autocritique ma gestion de l'escouade et essayer de voir ce que j'aurais pu faire mieux ou ce qui a fonctionné et pour essayer de progresser comme ça et dans l'idée aussi de partager avec vous cette expérience dans l'idée que vous puissiez après en commentaire partager vos idées. Critiquer aussi un petit peu ma manière de faire avec basée sur l'analyse que j'en fais et voilà, ça peut être une manière un petit peu comme ça d'interagir et puis de progresser aussi, de remettre en question un petit peu sa manière de jouer, puisque c'est vrai que je me base à peu près que sur mon expérience. Et donc de l'interroger et de la partager avec vous, je pense que ça pourrait être une manière de peut-être changer un petit peu des manières de faire, de m'améliorer. Donc et puis pour vous ça pourrait être intéressant aussi de pas juste regarder les parties mais d'essayer de les analyser un petit peu avec moi. Donc voilà, c'est une nouvelle idée, on va voir ce que ça donne très clairement. Je rappelle qu'on est toujours partenaire avec squadhub.fr, qu'on est toujours on fait toujours partie de la coalition, on est toujours membre de la coalition. Le serveur rouvrira ses portes en septembre à la rentrée. Donc voilà, tenez-vous informé de tout ça si vous le souhaitez sur les différents Discords qui sont dispo dans la description. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ok, on va partir du principe qu'ils vont s'en sortir. Ok, on spawn sur la 8 et on va au sud-ouest. Comment on voit qu'il y a personne qui vise le LBM en attendant le BTR, on peut prendre le LBM ou pas? Oui, l'autre, le deuxième est parti dans la ville. Combien de personnes au ouest à peu près? Attendez, on annule le mouvement. On a du monde au nord-est. On va défendre Geneva en fait. Faut les empêcher de prendre Geneva. On va plutôt s'installer sur l'ouest. On va prendre les bâtiments 5 là. Bâtiment marqueur 5 ouest. On s'installe, on les empêche de venir sur Geneva. Faut pas qu'ils captent le point. Ok. Ok, c'est à l'ouest. Ça venait de l'ouest? Attention, il y en a à l'ouest. Il y en avait un plus un qui a traversé. Bah 5, il y a du pack sur le bâtiment en face du vol. Je me marque sur carte, à ta droite. Ouais, 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 reçu. Je frag. Ouais, frag. Traité. Non, il est debout. Putain, bien joué. Ok, faut que je me patch. Ça arrive. Ah, il est collé à la barrière en bois. C'est mis sur carte, collé à la barrière en bois. Ok, reçu. Il y a dans le bat aussi. Un traité. Ouais, peut-être même 8-2 là. C'est tout proche, Ouais.
Ouais, y'en a un. Faut que je me patche. Ah, s'il m'entend me patcher, il va peut-être arriver. En face, en face, en face. Barrière bleue. Eh merde, putain. Comment ils sont ici? Ouais, c'est bon, ils sont capés. Ok, c'est bien, on continue de tenir Geneva. Ils ont pu caper en défense là, donc ils vont prendre train depot et on va pouvoir faire de la résistance ici. Ceux qui sont morts, si vous êtes loin de Medic, vous pouvez give up. Faut récupérer ces bâtiments à l'ouest. Voilà, on a la moitié de la team qui va arriver en backup, hein, donc faut juste tenir le temps qu'ils arrivent. Ah putain, attention en sortant, attention en sortant. Ouais, allez, je suis bien, je peux voir le bâtiment. Merci. Mais merde. Ah, c'est pas vrai, je... Trop idiot. Trop idiot. J'ai fait comme si il allait pas en avoir ici. Ils sont dans le bâtiment où il y a la radio. Ouais. Au sud de l'un, au sud-est, je dirais de l'un, il y a le Hummer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on va spawn. Alors, ceux qu'on spawn là, attendez-nous. On va se regrouper sur move marker. Ceux qui sont morts, on peut give up. On spawn en. Vers train dépôt là. Et on se rejoint sur move marker. On va attaquer ensemble. On mettra un rallye au bon endroit. Faites le plein de mines. Ah putain. Ok, on va mettre le rallye par ici. On va le foutre dans ce bâtiment là. Ok, c'est bon. Vous avez un véhicule qui descend la rue. Oh putain. Squad 1, si tu peux passer, c'est quoi ce truc? C'était un LAV ça? Ouais, il nous est passé devant, il passe au sud. Il va arriver sur vous, la une. Ouais, ils l'ont vu. Ok, nous on part au nord. On va aller sur move marker et essayer de foutre la pression sur Geneva. Ok, on s'assure qu'il n'y ait plus personne. Bien joué. On lui crève juste les pneus, hein. Laissez-le debout. Magnifique. Magnifique. Ouais, déployez-vous, déployez-vous. Barrez-vous, planquez-vous. Planquez-vous. Ah ouais, c'est à nous.
Ouais, c'est BMP2. Allez, on continue progression là, on repart au nord-nord-ouest, on va foutre la pression sur Geneva. Bravo. Putain, c'est propre. Ah, y'a le LAV. LAV marqueur épais. Non. Ah, c'est pas vrai. Ah, il a fait sauter mon rallye. Fais gaffe, hein, Falcon. Attends, attends un peu, hein. Reste planqué, reste planqué. Ah, merde. Attendez qu'il se barre, hein. Restez planqué. La 4, dis à ton logis qui se tire, là. Y'a un LAV à son ouest. Oh putain, c'est la merde. Ok, on prend une position défensive dans le bâtiment là. Bâtiment épais. Bien joué les médics. Ok, reçu. Ok, mettez à vous à couvert dans le bâtiment là. Oh putain, le bordel. Infanterie sur le rond-point. Ok. Ah, il me faudra un fusillé. Attention, apparemment, il y a du monde sur le rond-point. Il y a de l'allié sur le rond-point. Ouais, ouais, je l'ai prévenu. Ok. L'attaque, est-ce que ça te dirait de m'en suivre au nord? J'ai un logis avec un gars pour Phobie. Yes. Ok, vous avez un rallye. Ouais, marqueur, il y a un logis. Ah, c'est à nous. Non, c'est transport à nous. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, dans un futur proche. Tu oublieras pas de récupérer ton sac de mine. Le prochain objectif, ce sera de prendre les bâtiments là, marqueur épais. Faudra que deux rôles support restent dans ce bâtiment, fassent de l'appui là, depuis les fenêtres, au deuxième étage. Ou au premier, et les autres, on va avancer. On va passer par l'ouest du bâtiment. Putain, c'est la merde. Ah, c'est trop dangereux. Ouais, bon, pas de progression hein, pour l'instant, c'est trop dangereux. On va juste maintenir la pression. C'est vrai qu'on peut smoke. J'ai vu contact au nord. Non, les rouges. Ok, on a un grenadier là. Ah putain. Ah, on est vraiment sous le feu là.
On va se faire massacrer même avec des smokes. Ouais, c'est nord-ouest. Bâtiment nord-ouest. Passe-moi pas devant. Sur épée. Sur épée, là, y'en a un. Derrière le rocher. Ouais, traité. Ok, on profite du blindé pour avancer. On avance avec le blindé. Laissez-le passer devant, hein. On va le suivre. Et son bâtiment nord-ouest, là. Ok, avec moi on progresse. Eh non. Sur le rond-point à ton nord-est. Ah putain. Tous ceux qui sont en ville, alors repliez-vous. Repliez-vous sur la radio. Oh putain. La 4, il faut back sur Train Depot. On va perdre Train Depot. Repliez-vous, repliez-vous instantanément là. Décrochez de ce que vous faites, vous partez sur Move Marker. On va essayer de décaler sur Train Depot. On arrive nous sur Train Depot aussi. On doit être Train Depot. Ouais, foncez sur Train. Yes. C'est bon là, bien réactivé. Ah putain. Ah, c'est pas vrai. Ok, ok, on va le faire. Sur le mur, sur la radio. C'est là. La radio, oui. Ah, c'est tellement la merde. Ah, faut vraiment qu'on se tire d'ici. Pour l'instant, ils sont pas à la radio. Il est où le mec qui nous shoot là? Ok, bon, ils ont récupéré la hab au sud. Du coup, ceux qui sont avec moi, on peut essayer de prendre pour objectif marqueur épée et essayer de repousser ce qu'il y a au nord-est. En passant plutôt par l'est. Ah, c'est la merde. Ok. Il y a une frappe sur la faute. Mais putain, c'est pas vrai quoi. Ouais, il y en a un sur moi. Oh, c'est tellement chiant d'être coincé là comme ça là pendant une heure et demie. Ouais, faut qu'on essaye de se regrouper, du coup on va reprendre ce bâtiment en défense, on va reprendre une position défensive par ici. Je
Merci, médic. Ouais, bah, faut vraiment qu'on se tire d'ici. Ok, marqueur œil, on va avoir du monde. Ouais, c'était close, hein. Ça arrive de notre ouest, vers épée. Ils arrivent, hein, de notre ouest. Ah putain. Attention, on dépasse pas la tête, ils attendent. Doc. Putain. Ah, dépassez pas la tête à l'ouest, hein, faites gaffe. Dépasse pas la tête du mur, il attend. Marqueur casque, il y a des mecs. Hein. Ok, on va essayer de protéger Train Depot. Comme on peut, on essaie de chouf marqueur move, Train Depot et éliminer les ennemis qui s'y trouvent. On perd le point. Ah putain. Ouais. Les gars, d'abord, Train, on est encore en train de la perdre. Eh ouais. On vire leur radio. On est en train de virer leur radio d'attaque là, ça va peut-être reprendre. Peut-être. Ok. Ah, on a plus de rallye, on a plus de hub. Ok, les mecs, on a plus de rallye, on a plus de hub. Et moi, je suis mort. Et on a plus de médic, on a plus rien. On a plus rien. Ok, ceux qui sont morts, on spawn sur E5. On suit la 4 pour aider Train Depot. Faites le plein de mun s'il y a moyen. On prend des tirs. Mais putain. Balancez des smokes, les gars. Balancez des smokes dans la rue là. Non, ouest. Balancez vos smokes, les gars. Je prends les smokes. Je smoke la rue. Ok, on va sur move marker, hein, à l'est. On fonce sur Train Depot. Les deux médics, attendez-moi. Mettez-vous à couvert. Willem, essaie de me rejoindre, s'il te plaît, on va mettre un rallye. Il y a de grandes fortifications sur la... Ok, il y a des ennemis trop proches, je peux pas. Ennemis dans les 50 mètres, hein, je peux pas mettre de rallye. Allez, on y va, on les bousille. Ah putain. Attention, je sais pas d'où il a tiré. Non, pas neutralisé. Ah, tu l'as eu ? Vas-y.
Allez, on y va. Merci, Médic. Allez, mettez-vous juste en zone de cap. Ok, on décape. Tenez la zone de cap, éliminez-en vite fait, mais prenez pas de risque. Empêchez-les de sortir. Laissez-les prendre des risques, eux. Eh ouais. Pff, on s'est fait bloquer, quoi. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Ok. Alors, débriefing maintenant. On tente, hein, première fois que j'essaye, j'ai même installé un petit outil là, pour faire des dessins et des flèches. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais en gros, je trouve l'idée sympa. Ceux que ça intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de regarder évidemment, mais ceux que ça intéresse, eh ben, vous n'avez plus qu'à laisser la vidéo continuer. Je me dis que ça pourra peut-être plaire à certains. Moi en tout cas, ça me plaît. Et surtout, alors n'hésitez pas, hein, à laisser des commentaires, participer un petit peu à mon raisonnement, à m'aider si vous avez de l'expérience ou même si vous n'en avez pas. Hein, toute idée est bienvenue. Mais voilà, on va réfléchir un petit peu. Le premier truc qui se passe dans cette partie, je l'ai coupé au montage. En gros, on monte dans le BTR de la 2, qui a eu la mauvaise idée, je crois. Alors ça, c'est la connaissance de la map. Bon, il était chaud, hein, il était audacieux, il savait que c'était risqué. Après, prendre des risques, c'est très bien. Des fois ça passe et ça permet de faire des trucs. Mais des fois, ça passe pas. En gros, ce qu'il a essayé de faire, c'est... Donc, voilà, on est monté dans le BTR de la 2, et lui, il voulait... aller sur ce point à la base. Moi, je trouvais l'idée cool. Donc, ce que je lui ai dit, c'est OK. Ben, tu me déposes par ici. Et moi, après, comme ça, j'installe un rallye et je me tire sur Geneva, histoire d'occuper cette zone ici et d'aller les embêter. En gros, faire un petit peu bloquer la cape des ennemis. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que en cours de route. Il change de plan et il décide de passer plus au nord. Voilà. Déjà son plan il change. Il décide d'aller sur Church, au nord de Church. Alors attendez, je veux juste. Voilà. Il décide d'aller au nord de Church. Du coup, je me dis OK, bon ben on improvise. On va plutôt installer mon move marker, je le déplace, je le mets ici. Je me dis, on va mettre un rallye ici, c'est à peu près pareil, sauf qu'on va passer par le nord, par ici. Et ce qui se passe, c'est que comme ça, le plan il est cool, c'est qu'on a une escouade ici. Moi, je m'installe là, en attendant, on a les autres escouades qui vont prendre ce point, et on a la 8 ensuite qui a l'idée de venir ici. Donc jusque-là, c'est cool, comme ça, ça peut nous faire une zone en gros verte, qui est comme ça, et potentiellement une zone ennemie qui serait comme ça. Donc ça permet d'occuper tout l'est de la map. Sur le plan c'est bien, sauf que bah, de prendre cette route c'est une mauvaise idée. Si vous connaissez pas bien cette map, sachez que le nord là c'est chaud. En réalité là c'était un peu du 1 contre 1, donc ça aurait pu passer. On est tombé juste sur le LAV ennemi qui lui nous a rincé assez rapidement. Vous voyez là j'ai mon plan, moi je m'installe ici, je vais prendre ces bâtiments pour occuper le nord de Geneva. On s'adapte un peu comme ça, sauf que bah, malheureusement, on passe au nord là et ça coince. Là, on se fait soulever. Du coup, ok, pas grave. Ça, par contre, ça met un gros croche-patte hein, dans la partie parce que bah, on se fait wipe à la fois un BTR plus toute une escouade d'infanterie. C'est vraiment handicapant et ça met un bon gros croche-patte à toute la team. Mais du coup, là, après, bah, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Je réfléchis deux secondes, je vois bien que... Bon, ici, il y a des ennemis qui sont repérés, donc on a potentiellement... ils bloquent potentiellement la cape ici, mais il y a la 3 plus eux, là, avec leur petit tigre, avec la 9 qui sont là. Je pars du principe qu'ils vont clear ce truc.
Donc je décide de partir plutôt sur Genève en soutien avec la 8, puisque bah, c'est là que ça va surtout chauffer. Donc là, l'idée, elle est bonne. Je vais pas trop revenir là-dessus, puisque bah, on décide de se positionner à l'ouest, puisque nous... Enfin, nous, on va se positionner plutôt ici. Comme ça, la 8, elle prend le nord-est. Là, c'est juste on sépare un petit peu sur les deux points. Donc ici, pareil, pas grand-chose à dire. Ça a pas fonctionné. Bon, bah, c'est comme ça après. Que ça marche ou pas, à la limite, ça, on n'a pas trop... Là, on était plutôt bien installé, donc c'est pas un mauvais choix qui a fait que ça n'a pas marché, c'est juste le terrain, quoi. C'est ce qui s'est passé sur le terrain. Et là, c'est squad, quoi. C'est juste du PVP, quoi. C'est juste du PVP pur. Donc là, tout ça, ça se goupille comme ça. Donc on se fait back, et ensuite, moi, c'est plutôt cette partie-là qui m'intéresse. C'est après quand on décide d'aller sur... ouais, c'est même plus par ici. Voilà, c'est plus par ici, en fait. Ici, on arrive, donc on est à peu près à la moitié de la game. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a une espèce de ligne de front qui s'est installée comme ça. On a clairement une ligne de front qui s'est installée comme ça. Ce qui se passe... C'est que nous, là, on est vraiment coincés. On sait qu'on a des ennemis à peu près tout là. Plus, il y en a quelques-uns ici. Mais vraiment quelques-uns, même ça vaut même pas le coup de faire ça. C'est même plus quelques-uns comme ça, quoi. Là, moi, ce que je fais à ce moment, c'est que je persévère un peu, je crois. Et je veux prendre cette position en frontale. Et c'est un peu tout ce qu'on fait. On est vraiment tous focalisés en mode frontal. Et là, en fait, c'est pas ce qu'il aurait fallu faire. Il y a un moment, il y a la 4 qui vient ici. Lui, il décide de venir ici pour s'installer là. Et ça, c'est une super idée. Là, je l'ai pas vu faire à ce moment-là. Mais en réalité, ce qui aurait été bien, je pense, c'est que... En plus, il me le dit en com. Je l'ai pas entendu. Mais ce qui aurait été bien, je pense, c'était plutôt d'essayer de contourner ici, voire même de s'installer là, pour mettre quelques rôles fusillés, enfin quelques rôles de soutien ici. Peut-être même juste deux, ça suffit pour faire de la suppression là sur toute cette zone. Et ensuite essayer d'aller s'installer là, quoi. Voire donc d'installer une hub si possible, ou en tout cas de mettre un rallye, quelque chose, quoi. De la logistique, un spawn, et pour ensuite essayer de les flanquer, les baquer comme ça, et venir les déborder dans leur dos pour prendre cette zone, faire en sorte que ça devienne vert, et voilà, supprimer cette zone, et ensuite les renverser comme ça. C'est vraiment ce contournement que j'ai pas fait, je pense, qui a bloqué. Après, de toute façon, c'est dans l'idée où l'intention de faire ce détournement aurait pu permettre de le faire. Ça veut pas dire que ça aurait marché, mais j'ai même pas eu l'intention de faire ce détournement, et donc forcément, il aurait jamais existé. Donc, et on voit que si on continue, là on est à quoi ? On est à 16 minutes. Si je fais un bond en avant, bah voilà, là on est à 20 minutes. 20 minutes, on y est toujours. On traîne ici et on voit que la situation, c'est exactement la même pour tout le monde. On a toujours la même ligne de front qu'est ici. Là, il y a un moment, la 6, lui, il a réussi. Ben, c'est peut-être la 6 qui me parlait de mettre une hub. Ils n'ont pas réussi, c'est dommage. Mais voilà, si on avait peut-être changé d'idée et essayé vraiment de contourner comme ça avec la 6, parce qu'ils étaient que deux, quoi, donc tu peux rien faire à deux. Laisser cette ligne de front avec la 8, la 3, la 4, là, il y a tout le monde qui est ici, plus avec nos BTR et tout. Eux en défense, on va pas parler de la défense, parce que nous on était en attaque, donc on va plutôt se concentrer là-dessus. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire que souvent on se concentre un peu trop, enfin on a vraiment la tête dans le guidon, on est plongé dans notre partie, et on se rend pas compte qu'avec juste un mouvement, laisser peut-être juste un mec ou deux ici avec en faisant de la suppression, mettre une ou deux cartouches de temps en temps pour qu'ils, dans leur tête, ils continuent de se dire que ça, c'est vraiment la zone verte où ils ont envie de se concentrer. Se faire oublier en les contournant, essayer de mettre juste un point pour désaxer ici, un petit rallye, un truc, ou aider la 6 avec ce logis, ça aurait dû être vraiment ça ma priorité.
Je l'ai pas vraiment vu. Et ensuite, là, on aurait pu back. Donc là, je dirais que j'ai pas été assez attentif sur la logistique et sur le flux, en fait. Voilà, s'il y a quelque chose à retenir de ça, ça aurait été de sortir de cette zone. Et en plus, je crois que je crève 3-4 fois ici, le medic qui me relève à chaque fois. Donc il y a un moment où là, j'aurais dû avoir la puce à l'oreille et vraiment essayer de contourner ce truc. Ça aurait peut-être débloqué. Là, c'est l'erreur, je pense. Et après bon, on part en défense. Donc là, pareil, il n'y a pas trop grand-chose à dire, je crois. On retourne. Ouais, on les empêche. Après, on fait de la défense aussi, hein, mais... Même quitte, parce qu'en fait, ce qui aurait pu se passer, c'est quoi, dans le pire des cas. Admettons que mon truc, il aurait marché, on serait, on réussit notre contournement, on se retrouve ici. Bon ben, les ennemis, c'est certain, ils seraient passés ici et ils auraient occupé cette zone. Par contre, nous entre temps, ils auraient rien fait ici, ils auraient attaqué le train dépôt. Donc à la limite, on pourrait se dire, ok, on fait de la défense en même temps. Mais à un moment, si nous on est rapide aussi, le truc qui s'inverse, nous on occupe cette zone et ensuite on attaque Geneva et voir on peut raser leur hub qui était là. Ensuite ici, ce qui reste comme ennemi, ça aurait juste été quelques pax. Quelques pax, ça se rase. Alors qu'une hub, c'est beaucoup plus compliqué. Donc à la limite, une fois qu'on était dans leur dos, on aurait pu prendre carrément cette position. Une fois qu'on a éliminé les ennemis, on prend cette position, on inverse la vapeur. Là, on élimine les packs. Ils auraient pas fait long. Et ensuite, on aurait pu attaquer tranquillement Geneva. Ça aurait pu se goupiller comme ça. Je pense que ça aurait marché. Du coup, voilà. S'il y aurait un truc à retenir de cette game, je pense que c'est ça. Le contournement, essayer de les flanquer, essayer de sortir d'une mentalité d'attaquer en ligne droite tout le temps. Et voilà, après la défense, on aurait pu récupérer le point. Là, c'est juste une question de ticket vu qu'on a perdu du temps. Mais la défense s'est bien passée, on les a sortis, on l'a récupéré. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce truc qui a coincé quand on s'est retrouvé coincé sur cette ligne de front. On n'est pas sorti de ces bâtiments. On n'a pas réussi à créer un contournement sur l'est. Donc c'est ça qui a dû nous bloquer. Voilà pour le petit débriefing de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez eu d'autres idées, si à un moment vous auriez fait différemment. Mais voilà, merci en tout cas d'avoir suivi jusqu'ici. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.